c'est Madame Béa Mansouri, je suis enseignante à l'école secondaire d'Anjou. Effectivement, c'est pour la première année que notre école a la chance de participer au First Robotique. C'est un gros projet qui représente l'effort et l'implication aussi bien de la direction que des enseignants, que les jeunes, que des parents bénévoles et des mentors. Les jeunes, ils ont travaillé pendant 6 semaines, même les fins de semaine, le samedi, de 9h à 4h de l'après-midi. Ils étaient toujours présents à l'école et ils étaient là au rendez-vous. Les dernières semaines, il y avait une implication. Un grand merci à Monsieur Ibrahim qui nous a soutenus. Je me nomme Ibrahim Kabouré. Je suis accompagnateur des projets jeunesse. Donc, je travaille pour le compte du Carrefour Jeunesse Emploi en Rue Saint-Justin. J'exécute le mandat de Créneau Carrefour Jeunesse, qui était un programme gouvernemental qui vise à favoriser l'expérience en développant le projet auprès des jeunes. Alors, le projet Robotique en Joue était un projet qui valorise l'implication des jeunes et le coût des jeunes pour la science et les technologies de façon globale. Et nous, à travers ce projet, moi, c'est d'aider les jeunes à voir au-delà de la construction du robot, qui est la mission principale, c'est de voir tout ce que ça implique comme apprentissage, et tout ce que ça mobilise comme qualité entrepreneuriale. Donc, comprendre comme l'équipe construit comme une entreprise, une industrie. Et le produit, c'est la fabrication d'un robot donc qui va être fonctionnel et qui est destiné à participer à une compétition de First Robotique Québec. Bonjour, je m'appelle Excella Watley, je suis en secondaire 1 à l'école secondaire d'Anjou et je fais partie du club robotique Anjou Les Lions d'Or. Je fais partie de ce club parce que j'aime la robotique, j'aime la construction, l'ambiance du travail d'équipe et tout ça. Et je suis content de faire partie du festival Robotique First et j'espère participer les années suivantes. Bonjour, je suis Mathieu Bouchard. Je suis un élève de secondaire 1. Je suis parti dans la robotique. On construit des trucs, on fait des plans. Et ça prend de la concentration. Il faut faire beaucoup de plans, réfléchir. Faire des activités, c'est comme de faire des jeux avec le robot. Bonjour, Stéphane Brazeau, parent bénévole pour le projet de robotique de l'école secondaire d'Anjou. Donc, quand les jeunes m'ont approché, ils m'ont dit « Veux-tu venir me donner un coup de main? » Ils m'ont pris par des sentiments, fait que j'ai décidé de me donner à 100% comme d'habitude et d'embarquer avec eux dans le projet. Je leur avais promis, je vous emmène au premier match, après ça, c'est vous autres. Je les ai amenés au premier match, on a fait le deuxième match, tantôt on embarque pour le troisième match. On va voir la suite. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de points. On a des petits problèmes techniques, mais tous les jeunes ont du fun, ils sont tous impliqués. On aime ça. Mon nom est Wood Nefis. Je suis enseignant de mathématiques à l'école secondaire d'Anjou. Et également mentor de l'équipe de robotique Les Lions d'Anjou, numéro 68 à 47. L'idée, c'est de permettre à ces jeunes-là, premièrement, de cerner les bases de travail. Qu'est-ce que ça prend en termes de discipline? Qu'est-ce que ça prend en termes d'autonomie? Qu'est-ce que ça prend en termes de travail ensemble? Je suis Richard Gilbert, le directeur de l'école secondaire d'Anjou. Donc, ça me fait plaisir d'accompagner l'équipe donc, pour la finale aujourd'hui. Des élèves qui se sont beaucoup investis dans le projet. Alors, ils ont travaillé avec une équipe de mentors et d'enseignants. Une équipe qui ont travaillé très fort pour la réalisation de ce beau projet avec des commanditaires qui se sont joints à nous afin de rendre possible cette belle activité. Donc c'est vraiment super pour nous, c'est une première expérience et les élèves sont vraiment fiers de représenter l'école dans ce beau projet et on espère que ça pourra donner des idées pour la poursuite dans les années futures. Alors bonne chance à l'école! Au commencement, on avait fait la base et puis on a fait la base il était vraiment. Il y avait vraiment un grand travail à faire aussi avec la base. On avait un peu directeur de com 3 semaines, mais on avait rattrapé ça. Et puis quand on a fini ça, il fallait aussi faire l'ascenseur. L'ascenseur, ça demandait beaucoup de travail à faire.
fallait bien régler la chaîne. La chaîne nous a posé beaucoup de problèmes. Là, on nous a fait la sortie. Depuis là, on a fait les bras. Les bras, c'est pas vraiment solide. Mais quand même, ça prend le coup. Et puis, on, ça les jette dans le basket. Et à part ça, notre mission dans le avec, ce n'est pas de gagner la compétition, mais c'est de participer quand même, de pouvoir remporter quelques matchs. Avec tout le support que l'on a eu, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, on a un robot fonctionnel. Après notre premier match, on était capable d'aller chercher le 6e rang. J'aimerais, en mon nom personnel et au nom de l'équipe de l'école secondaire d'Anjou, présenter mes remerciements à tous les commanditaires qui nous ont aidés, et spécialement le CJE, qui nous a supportés dès le début. Et nous espérons qu'il sera avec nous dans les années à venir. Merci. La valeur principale ou la pertinence d'un tel projet, c'est la possibilité des rêves que ça nourrit donc, auprès des jeunes. Ils ont construit un robot aujourd'hui. Demain, ils peuvent aspirer construire un avion, ils peuvent aspirer construire n'importe quel autre type de produit. Et c'est ça qu'on a besoin pour les jeunes. On a besoin qu'ils croient en leur force.